Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonus. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est un lightboard. Je vais t'expliquer en quoi c'est très utile pour un illustrateur et surtout comment faire pour le réaliser. Donc on va voir ensemble comment j'ai peint ces 12 vignettes, quelle a été ma démarche sur le plan technique bien sûr, mais surtout sur le plan artistique, car c'est bien là le plus important, c'est ce qui est vraiment essentiel. Et on va voir comment trouver l'inspiration, comment rendre chaque vignette simple, lisible, mais néanmoins attrayante, avec de l'émotion, une ambiance particulière, de la narration. Bref, l'idée c'est que ça raconte quelque chose et que ça fasse travailler l'imaginaire. Alors avant ça, pour info, je te rappelle que cette leçon fait partie de ma formation en ligne pour devenir illustrateur. Elle s'adresse à tous les niveaux, que tu sois débutant comme confirmé, et s'adapte également à tous les styles, que ce soit réaliste, manga, stylisé, cartoon, etc. Bref, si tu as envie d'apprendre à créer de belles images, tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo pour avoir toutes les infos nécessaires. Ok, mais revenons à notre sujet du jour. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un lightboard ? Un lightboard, c'est un travail de recherche sur un projet donné. C'est-à-dire que tu fasses un jeu vidéo, un film d'animation, une bande dessinée, un manga, un film avec des acteurs. Peu importe, quand tu fais de la création visuelle, c'est un outil qui va t'aider en pré-production pour préparer bien ton projet. Et c'est un outil aussi qui va t'aider beaucoup au niveau de l'entraînement, au niveau du travail de lumière, de composition, d'atmosphère, d'ambiance, etc. Ça va t'aider vraiment pour progresser. C'est vraiment quelque chose que je t'encourage fortement à pratiquer. Donc, quand on fait un lightboard, on n'utilise pas de couleur. On travaille juste avec la lumière, on travaille avec l'atmosphère, donc de la brume, de la distance, de la neige, de la pluie, des choses comme ça. On travaille avec l'exposition aussi. Donc l'exposition, dans les leçons qu'on a vues précédemment, donc c'est un travail qui fait que ton image va être surexposée ou sous-exposée, donc plus de détails dans les ombres, plus de détails dans la lumière. On a déjà vu ça dans les cours précédents. Et l'idée, le but final d'un lightboard, c'est d'amener une ambiance. C'est d'amener une ambiance, un feeling particulier. Ça nous permet de tester la mise en scène, bien sûr, de voir si l'image fonctionne bien, et ça nous permet de maximiser le potentiel de cette image, de cette mise en scène. Donc c'est un outil hyper complet. Alors pourquoi on travaille avec des petites vignettes? Pourquoi on fait ça? Eh bien, déjà pour avoir une meilleure vision globale de l'image. Quand tu travailles en petit, c'est comme le peintre qui fait un tableau, peintre à l'huile ou autre, il va reculer pour voir son image de loin. Donc quand tu travailles de loin, déjà tu as une meilleure vue d'ensemble. Tu sais donc forcément si ton image fonctionne bien ou pas. Et si elle fonctionne en petit, je peux t'assurer qu'elle fonctionnera bien quand tu vas l'agrandir et que tu vas travailler plus dans le détail. Justement, en parlant de détails, l'idée de travailler en petit, c'est de ne pas se perdre dans les détails. C'est justement de rester assez rough, avec des brosses assez grosses, et de s'empêcher d'aller dans le détail pour travailler l'essentiel finalement. L'essentiel, c'est la structure. C'est ce qu'on a vu aussi dans des cours précédents. Et ça te permet forcément aussi de travailler plus vite, parce que quand tu travailles sur une petite image sans détail, forcément, tu vas pouvoir faire une image de manière beaucoup plus rapidement que si tu avais une illustration beaucoup plus grande. Donc en général, quand on a l'habitude de ce genre d'exercice, pour les professionnels, une petite vignette peut être faite entre 20 minutes et 1 heure, ça dépend du sujet, mais en gros, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, et ça permet surtout d'avoir un résultat très intéressant. Et ce résultat très intéressant va nous servir de GPS pour le paint final. Donc une fois que cette image est verrouillée en tant que telle, en tant que lightboard, cette image, on sait qu'elle fonctionne. Donc on a résolu tous les problèmes qu'il y avait à résoudre et on va pouvoir du coup s'appuyer là-dessus pour faire notre vraie illustration avec les vrais détails, etc. Et que ce soit de la 3D ou que ce soit du paint ou que ce soit de la photo, de la mise en scène classique voilà, avec des acteurs, ça va marcher parce qu'on saura exactement dans quelle direction on va. Alors, et le fait d'avoir ces petites vignettes les unes à côté des autres, ça te permet d'avoir une meilleure vision globale du projet. Donc, si tu fais une bande dessinée, bah, tu peux voir bien sûr l'évolution des planches les unes à côté des autres. Si c'est un film d'animation, bah, pareil, ça va être peut-être les images du storyboard ou quelques scènes qui vont être prises et qui vont être mises en lumière. Donc, tu as une vision globale de l'atmosphère que tu vas véhiculer dans ta narration au fur et à mesure du projet. Ok. Alors maintenant que tu vois mieux, que tu comprends mieux ce qu'est un light script et à quoi ça va servir, je vais t'expliquer en détail l'approche que j'ai, ma méthodologie, et puis je vais peindre chacune des vignettes devant toi, tout en t'expliquant comment obtenir le meilleur résultat possible par rapport à l'idée que tu as en tête. Donc tout ce qu'on a vu avant sur le travail de la lumière, sur le travail de l'atmosphère, de l'exposition, de la composition de l'image, ce genre de choses, du design, tout ça va être mis
ensemble dans ces petits travaux de vignette. Voilà, toutes ces connaissances vont nous servir énormément. Allez, c'est parti! Voilà, donc le résultat de toutes les vignettes, faites les unes après les autres. Donc chaque vignette raconte quelque chose, chaque vignette a un petit peu un univers à elle. Il y en a qui sont plus sombres, il y en a qui sont plus joyeuses, d'autres plus inquiétantes, d'autres plus magiques, d'autres plus mystérieuses. Mais l'idée c'est de s'amuser et de faire en sorte que l'image soit intéressante à voir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses en me voyant faire, en voyant la façon de procéder, et aussi avec les explications. Et rappelez-vous que cette leçon, en fait, contient tout ce qui est important et que vous avez appris dans les autres leçons. Donc, si vous avez des petites questions sur la lumière, direct, indirect, l'atmosphère, etc., l'exposition, retournez voir les anciennes leçons et servez-vous de ce qu'il y a dedans pour pouvoir bien travailler votre lightboard. Je vous dis à bientôt dans une prochaine leçon bonus et portez-vous bien d'ici là et amusez-vous, surtout, comme d'habitude. Bye bye!